Bon alors, immersion. Je parle à toi ou à lui? Ah, à lui, à lui. Tout de suite, c'est la grosse pression. Alors, immersion, c'est une dizaine d'artistes qui sont, comme je le dis, répartis sur la ville. Et chacun d'eux passe une semaine, soit à intégrer une structure de la ville, soit à suivre une personnalité. C'est les artistes qui ont choisi qui ils allaient suivre, en fait. Et au bout de cette semaine, on va tous se retrouver, deux semaines pour répéter. Et après, dans le cadre de la semaine de la diversité culturelle, on va jouer un petit peu hors les murs, des petites formes, soit des bouts de lecture pour rendre compte de chaque immersion. L'idée, c'est surtout de tisser un lien entre des habitants qui n'auraient pas été amenés à se rencontrer autrement et puis le rapport, travailler sur le rapport artiste-habitant. C'est parti. Attention, ça pousse vite, hein. Vous la connaissez, l'histoire du haricot qui va jusqu'aux nuages. Non, il est réveillé. Et je lui ai passé le bouquin, il a commencé notre bouquin, là. C'est un exercice physique. Je lui ai dit, on va s'y mettre tous les deux. Vous connaissez? Non, non. Tiens, papa. Le premier réflexe, il me dit, on va casser les chaises. Après, dans un quart d'heure, je vais à la fenêtre. Il y a un auteur qui dédicace un livre sur un jeune villois. Ah ouais? Sur sa dapsy, oui. Non, non, je ne vais pas finir la course. Il tienne un peu, il tienne un peu. Tu veux partir? L'étoile nord-africaine, 1926. C'est extraordinaire, hein, l'année où... Bon, d'abord, j'ai découvert les avec mois, lui, c'est ce que tout je raconte sûr, dans les mois, c'est pas tout à fait sûr. J'ai découvert avec lui beaucoup de choses. Il marque toujours, justement, par son ouverture d'esprit, sa sincérité, le fait qu'il soit pas du tout quelqu'un de sectaire. Il n'a jamais considéré les gens à partir de leur nationalité ou de leur appartenance, même politique, parce que leur politique, si on peut dire qu'il est de gauche... toujours été lié à cette commune en particulier, qui est marquée à gauche. Il a aussi eu des liens très forts avec des gaullistes. Oui, mais en même temps, l'ancien maire, je pense que Jean Villiers, dit une phrase parmi d'autres, on peut prendre plein de phrases très différentes dans les livres, que c'est un homme politique au sens noble du terme. J'ai un bouquin qui voulait m'offrir, parce que j'en ai payé trois déjà. Il essaie de se rattraper. Il va falloir que tu me le commandes. Qu'est-ce que je voulais dire? Il entend. C'est le nom officiel de mon papa. Je vais te demander. Bon, on écoute. Bon, allez, on se reverra. Bah ouais, à bientôt. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Salut. Au revoir. Je suis triste. C'est la fin d'une immersion. Ouais. Non, mais pendant une semaine, tu... J'aurais pu rentrer dans son cabinet, en fait. J'aurais dû lui filer un CV. Bon, ici c'est l'accueil. Là, on arrive le matin. Hop. Oh, ça va. Petite bille dans la machine à billes. Pour se compter. Machine à café, classique. Et coin chill, on va dire. Histoire d'être bien, tout ça. Pouvoir penser à son projet, discuter, échanger, partager avec eux. Petite table conviviale de travail. Voilà. Et là commencent les premières machines, les premiers.
outils, on va dire. Donc ici. Nous avons une petite découpeuse qui est peut-être aussi imprimante d'ailleurs et qui permet de faire, grâce à ces petites bandelettes de vinyle, permet de faire des petits autocollants comme ça pour dire attention aux scooters, tout ça machin, voilà. Qui permettent de faire ça. Et après ça, par exemple, on peut utiliser ce modèle. Et le mettre sur un t-shirt via cette presse, tac tac tac, pour faire des transferts. Voilà. Donc, je me fais prêt quand même là. Hein, le petit traditionnel manuel. Puis, voilà. Fraiseuse numérique. Donc ça se balade, ça tourne, ça creuse. Voilà. Ça, t'as fait quoi alors? J'ai préparé une idée déjà, de lampe station. Et aujourd'hui, je vais peut-être attaquer la découpe quand même. L'idée, c'est que je découpe toutes les petites lettres, donc ça va être du vide. Et derrière, après, je mettrai une lampe, des lampes, sur la brillante idée de Thibaut Mallet, quand même, il faut bien le reconnaître. Projection parallèle. Oula! C'est pas ça. Caméra, perspective. Voilà. Voilà, donc avec une petite épaisseur de 3 mm qu'on peut voir, hein, et des trous pré-troués. Tu vois les petits trous, c'est moi qui les ai faits. Voilà, j'ai fait des petits trous. Des trous pour les vis. J'en ai une pour essayer de faire un essai. C'est un truc un peu chiant, c'est ça, par exemple. Alors, je l'ai fait en SVG. Je l'ai sorti en SVG. Il est là. Et là, tu m'as donné une bonne leçon de sillage hier. Le secret pour être droit, c'est de scier horizontalement. Je te donne un coup de main tout à l'heure. Comment ? Sur la plonge, je te donne un coup de main tout à l'heure. Ouais. Je t'ai regardé hier. Pourquoi ? Bah, tu m'as montré hier. Et c'est pas facile. Non, j'ai compris en fait. Ah, c'est malheureux. Tu sais ce qu'il me dit ? C'est que, en fait, le cercle il est monté à l'envers. C'est que les gens ils arrivent par là et ils débarrassent leur plateau par là. Donc en fait, le télescope, des fois ça donne des trucs assez rigolos là. Oui, on tombe dans le manuscrit. Vous parlez pas. Comment va la semoule, Sido ? Ça va très bien, très bien. Ouais. Très bien, très bien. Elle est, t'es content, on n'a pas foiré ? Ben non, on n'a pas foiré, t'as bien travaillé, c'est une bonne étude, c'est une bonne info, et puis bon, on a une passion aussi des techniques de travailler aujourd'hui. Donc, Mais toi aujourd'hui par exemple, ton poste c'est la plonge. Donc demain, parce qu'il est en froid, demain je décale. Ça tourne en fait. Ça tourne comme ça. Et Siam, c'est ce qui va servir aujourd'hui. Moi c'est mieux ça. C'est parce que j'allais le voir au vol. Ah d'accord. Non, la chute, tu ne peux pas arriver. Allez, bon, on est à ce moment-là. Je suis encore à la fin. Ça se voit, c'est Eric qui l'a tourné. Ça change la. Tout de suite, on voit la différence. On voit la différence, ouais. Ah ben la semoule là, c'est... Mmh. Vous avez jamais mangé une semoule comme ça? Merci chef. Je pense qu'il va falloir que tu reviennes. Merci. T'as de la chance qu'il y ait du monde sinon. Je t'aurais dit autrement. Et fière, oui, je suis dinosaure et fière. Voilà. Comme ça là. Voilà. Ah, il y a des produits. Oui, des petits gants latex, ouais. Je veux bien, ouais. C'est ça. Comment je fais, si vous voulez, madame? J'ai
te mettre merci, te mettre par là. T'évolues, toi, t'évolues. C'est facile. Hein. Et t'aurais pu la sortir, celle-là. Bah non, je l'aurais même pas faite. Oui, j'aurais pas voulu. Bon week-end quand même. Bon week-end. Passons un bon week-end avec le soleil. On reste pas à la maison ce week-end. Hein. Oh là là. Bon week-end. C'est des lieux tout à l'heure. Moi, je ne suis pas le 34. J'ai lu des vidéos. Moi, je ne fais pas. Bien joué. Si on arrête de s'alimenter, on ne pourra pas garder, on a besoin des nutriments, on a besoin de s'alimenter pour vivre et en particulier pour garder sa température corporelle. Qu'est-ce qu'on sait ? Donc, bah, tu peux demander à ton camarade du coup de formuler la phrase réponse. La transformation en énergie thermique se manifeste par une élévation de la température corporelle. En énergie thermique. Comme d'habitude, je donne toutes les consignes maintenant. Il n'y a pas de questions. On travaille en silence, on va être plus concentré. 6 points sur le savoir, donc j'ai appris mon cours, j'ai déjà 6 sur moi. Les points s'informer, je rappelle, la réponse est dans le texte. Vous avez 1,5 point sur la compétence s'informer. Nous avons ensuite 4 points sur réaliser, comment seront les schémas. Comme papier et à la règle. D'accord ? Allez, bon courage.
Je ne sais pas ce que je fais aujourd'hui, je perds mon crayon régulièrement. Alors, faut pas que tu montres pas, puisque j'aimerais. J'ai pas mis là, j'ai pas pris le bon. J'ai mis le crayon. Non. Pardon, merci. Entrez. J'en ai pas. Ah, j'ai pas. Ça vous a plu? Oui, très. C'est beau, déjà, je l'avais déjà lu. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous l'avez relu? J'ai relu parce que lu oui, tout à fait. Mais oui. J'avais lu. C'est un livre. Je m'en doutais. C'est magnifique. Ah oui, bonjour. Bonjour. Et tu vois, regarde. Tiens, c'est très bien. Ah bah oui. Ça m'a été très bien de faire un petit truc. Petit comme ça. Et vous avez regardé, vous m'avez dit oui, on coloré le carré, c'est tout. Dit, alors, je rends le bouquin, et quand puis même. C'est tout. Maintenant, il est rendu, voilà. Bon, moi, je le vois, je le vois. Ah, non, j'en peux pas. Quand on lui propose quelque chose, elle en veut plus. Non, mais j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants. Ben non. Mais d'ailleurs, c'est ce que je disais. La première fois, j'étais un petit peu dépitée de ne pas pouvoir essayer. Non, non, je ne tricote pas du tout. La première fois que je suis venue au tricot, j'étais un peu envieuse de vous voir toutes avec vos aiguilles faire des trucs hallucinants. Parce que moi, je ne sais pas du tout tricoter. C'est facile. C'est facile. Je veux aller sur Annie Dupéré, vous qui aimez bien les... Annie Dupéré, vous aimez bien? Ah oui, voilà. Oui. Oui, ça, ça me plairait. D'accord. Puis il m'en faudrait un autre. Bon. Pour alors celui-là, la... Pomme d'amour, ça se passe en Bretagne, ça veut que vous plaire. Ah, voilà, oui. Si je connais. Oui, oui, je peux faire la même avec les couleurs. Ah oui, d'accord, bah oui. Ça te plaît comme ça. Bah ouais. Vous me plaît. Vous me plaisez. Alors, non, on a juste à nous dire, avec les petites couleurs, bon petit thé. À demain. Et puis bonne nuit. D'accord, j'ai rien. Maman Maggie. Qu'est-ce que tu aurais changé là-dedans? Oui, ça rappellera un petit peu ma semaine ici. Ah bah oui, ça me plairait. Moi j'aurais mis un couleur ville. On voit le petit coco. Ça va bien ensemble. Ça, j'aime moins, mais ça, c'est parce que je suis... Voilà, t'as raison. Oh, j'aime pas du tout ça. C'est cette couleur-là qui me plaît moins. Le cacadois. C'est une couleur... Non, le cacadois, ça va. De toute façon, c'est pas grave. Cacadois, c'est le cacadois. Non, mais en fait, c'est vrai, par rapport à la destination, je pense que... Voilà, moi, je suis d'accord avec Monique. Oui, chère madame. Oh, excusez-moi, ma chère. Excusez-moi, mes excuses les plus plates. Plate. Tous les enfants du monde, les enfants de Berlin, de Paris et d'ailleurs, ont les lèvres qui tremblent quand ils cachent leurs pleurs. Et tous, ils se ressemblent quand ils ont froid ou peur. Ils n'ont pas le même langage, mais ils se comprennent des yeux. Ils admirent d'autres paysages, mais s'amusent des mêmes jeux. Et c'est ainsi qu'ils sont heureux. Ils ont des rires tout près des larmes, des rêves s'attardent sur leur front. Dans leur sourire, tout est un charme. Ils aiment les gâteaux, les bonbons, que leurs cheveux soient bruns ou blonds. Ils ont le même regard candide, et leur teint pâle ou foncé, on voit dans leurs yeux humides parfois la crainte se glisser, quand leur foyer est menacé. Les enfants de chez nous ont de toute la terre, ont les lèvres qui tremblent dans le même prière. Et tous ils ressemblent, Les enfants de chez nous et de toute la terre, et les lèvres qui ont les lèvres qui tremblent dans la même prière. Et tous ils se ressemblent et ont peur de la guerre. Merci, Marie. Merci, Sam. Je voulais suivre un prêtre en particulier, puis finalement j'ai suivi un peu toute la paroisse dans ses différentes activités. Ça a été donné aux abbés par je ne sais plus quel roi, si je sais, c'est Charles le Chauve. Hein.
le roi de l'époque, là, en 1300 et quelques, qui a donné aux abbés Gennevilliers pour qu'ils y fassent une paroisse. Avant, c'était à Asnières, en fait, qu'avait lieu. L'église était à Asnières. Donc les gens d'ici, mais ils n'étaient pas beaucoup, ils devaient être 300 ou 400 à vivre ici, à ce qu'on peut appeler Gennevilliers, quoi, à l'époque. Et ils râlaient parce que c'était un peu trop loin d'aller jusqu'à Asnières pour aller à l'église. Et donc du coup, ils ont fait une église ici, enfin, pas celle-là, mais une église à Gennevilliers, plutôt ailleurs d'ailleurs, une autre église. Et vraiment, là, les curés d'Asnières, ils ont râlé. Enfin, il a vraiment râlé, le curé, il a fait un espèce de procès ou un truc comme ça, parce qu'il perdait ses ouailles, pour qu'on lui donne des sous. Et il a obtenu quand même que du coup, la paroisse de Gennevilliers verse à celle d'Asnières une certaine somme forfaitaire annuelle, un truc, je sais pas, l'argent de l'époque, c'était les parisis, 1000 parisis par an, et surtout un truc éternel, quoi, enfin, tout le temps. Et du coup, 200 ans après, il y avait encore des litiges avec ça parce que les gars de Gennevilliers n'avaient pas payé. C'est un truc qui m'a fait marrer quand même. Enfin, marrer. C'est un truc vraiment qui m'a. Non, mais comme je te parlais en plus des inondations et tout ça, ça va être marrant. Mais... Alors voilà. Donc, Luc. Ah ! Voilà. Et pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Tu vois, c'est ça en fait quand même que j'ai bien aimé et qui m'a surpris, c'est que personne ne m'a jamais parlé de religion, ne m'a demandé même si j'étais croyant pendant toute l'immersion que j'ai fait avec les curés, avec les paroissiens, avec les... mais vraiment. Et simplement par contre j'ai vu des gens en fait qui agissaient. Ça a été ma principale surprise. Bonjour, moi c'est Marianne Téton. J'ai fait mon immersion à la Maison de la Solidarité qui se trouve au bout de la rue Edmond Darbois, où on se trouve là. Et donc pendant une semaine, j'ai fait ce chemin tous les matins. Et c'est une chose qui m'est restée assez fort, c'est cette barre que je longeais tous les matins. Je crois qu'elle s'appelle la barre des Agnettes et je crois qu'elle va être détruite bientôt. Et le fossé entre cette barre d'immeubles qui n'en finit plus, puis ces petites maisons plus cossues, on va dire. Et donc je me rendais à la Maison de la Solidarité qui est un lieu d'accueil pour les personnes sans domicile fixe. Donc des gens qui n'ont pas de logement. Donc voilà, cette rue, elle était pour moi assez forte tous les matins à emprunter. Voilà, ça m'a assez chamboulée. Je ne peux pas en dire plus, c'était le trajet que j'empruntais tous les matins. Donc voilà, on est arrivé au bout de la rue où se trouve la Maison de la Solidarité, qui est une boutique Solidarité Fondation l'Abbé Pierre. Alors, en fait, elle est un peu cachée, cette boutique. Il y a beaucoup de personnes accueillies à qui j'ai demandé comment ils avaient connu cette maison. Et bon, c'était du bouche à oreille, parce qu'effectivement, elle est cachée. Et ils m'ont tous dit, si tu sais pas, tu la trouves pas. Donc, nous y sommes. Donc, en fait, les gens, le matin, la boutique ouvre à 8h du matin. Donc, le premier jour où je suis arrivée, tout le monde attendait devant la grille. Donc, j'ai attendu avec les gens devant la grille. Ensuite, ils sont accueillis... Il y a toujours une personne qui accueille les accueillis. Tout le monde se serre la main. Il y a quelque chose de très chaleureux. Tout le monde se dit vraiment bonjour. Et un bureau où les gens vont pointer. C'est-à-dire qu'ils ont tous un numéro. Et ils donnent leur numéro. Ils sont enregistrés. Ils disent s'ils vont manger le midi et le soir ou pas. S'ils veulent prendre une douche. Donc on a les sanitaires qui se trouvent là, qui ont été... refait il n'y a pas si longtemps que ça, genre l'année dernière je crois. En fait la Maison de la Solidarité c'est une maison qui ouvre ses portes en journée
et qui est fermée la nuit. Donc les gens doivent sortir et pour la plupart, ce sont des gens qui dorment dehors, en grande majorité, dans des tentes ou dans des squats. Et voilà. Donc ça a été une expérience assez forte. J'ai rencontré le personnel, la directrice, les gens de l'administration, les bénévoles et les personnes accueillies. Et en fait, au cours de cette semaine, j'étais un peu intimidée les premiers jours, mais il y a vraiment une ambiance de maison. Donc j'ai aidé, puis j'ai trouvé ma place. Je naviguais un peu partout dans cette maison, à tous les postes. Et en fait, j'ai réussi à créer du lien avec les gens qui travaillent là. Enfin, c'était assez naturel. Et quand je me suis rappelée qu'il fallait que je t'appelle pour que tu viennes faire un petit reportage sur nos immersions, en fait, j'ai refusé. Enfin, j'ai trouvé ça un peu incongru, vu la place que j'étais en train de... le lien que j'étais en train de tisser, la place que j'avais prise de faire entrer une caméra dans l'intimité de ces gens qui viennent souffler, en fait. C'est vraiment un... pour eux, c'est un break, parce que la maison ouvre ses portes pour les repas, mais referme entre chaque repas. Donc les gens font des allées et venues vraiment dans la journée, et on sent que moi je suis venue au mois de mars, il faisait encore froid, c'est quand même un endroit où ils soufflent, et c'est des gens qui ont une vie très difficile, donc c'était un peu délicat pour moi de te faire entrer dans la maison. Tout à l'heure, je disais que la boutique était un petit peu cachée, elle est en cul-de-sac au fond d'une ruelle, et puis je parlais de cette barre d'immeubles et de ces petites maisons. En fait, la maison de la solidarité aussi a quelques soucis avec les résidents, voilà, qui n'apprécient pas ce va-et-vient de personnes démunies dans leur rue. Et c'est une des choses aussi qui m'a vachement choquée, en fait. Parce qu'il n'y a pas de grabuge, enfin, je suis restée une semaine, il y a quelque chose de vraiment bienveillant, il n'y a pas de violence devant la... Enfin, c'est, en tout cas, c'est contenu. Je voulais juste dire ça. Pas trop. Là, tu prends mon copain Gadji ou leur produit. Quand tu lui fais un bisou. Quand tu fais un bisou, ouais. Il est pas content, la minute qu'il est là. La minute, c'est sa bête, c'est quoi. Pourquoi il aime pas. Ah non, il est enfermé dans le regard, une fois. Il est avec son branche pour combien de temps. C'est vrai. Ah ouais, non, il m'en veut, hein. Ah merde. Et Mimi, c'est qui? Ah, mais il en veut, hein. Je peux dire que... il aime ça. Quand on l'embête pas, c'est bien. Et toi, Al-Qaïda, fais gaffe, hein. Ça, la manette au bon. Allez, avancez, on va te laisser plus. Ça commence au bon. Bah, là tu t'arrêtes, des fois il y a des dépôts là sur le coup. Ouais. Des fois il y a avant. Là maintenant ils en mettent moins, mais avant ils en mettaient juste dans le coin. Ouais. Là non. Et, ouais, c'est ça. Là voilà. Ouais. Là. Normalement, c'est des trucs d'hygiène, il n'y a pas d'hygiène et sécurité. Mais comment il a su qu'il y avait des puces là? Il est allé le voir? Sûrement, il s'est pas approché. Il a vu des bestioles qui sautaient. Ah ouais, contaminé le machin.
Lundi, ça va être les enfants grands, l'école reprend, tout le monde va être là. Ça va, après, ouais, la après le métier, il y a plein de trucs, hein, les laveuses, tout ça, il y a plein de trucs à avoir. Bah, faudra revenir. Il faut négocier la deuxième semaine. Deuxième semaine d'immersion avec la mairie. Ouais, on va voir, on va voir. De toute façon, il y en a qui vont travailler le maire un peu. Hein? Tu as 3 œufs. Non, pas 3. On fait fur et à mesure, une par une. D'accord. Mais on fait un œuf entier. Non, un œuf entier. Et la suite, on termine avec les blancs. Ah, d'accord. Donc, cristal, normalement. Oui, cristal. Je vais donner les recettes à ma soeur quand je lui ai dit que j'avais fait des temps en magasin. Alors, c'était bon ? C'est super bon. Tout le monde les a tous. Difficile, une chouak. Chouak ? Ouais. Vas-y, ça s'écrit comment ? Parce que c'est... En français, enfin, M. M. C-H. O-U. A. K. Ah ouais, chouak. Mm. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire. Comme guérissant, un hérisson. Ah, c'est ça ! C'est. C'est ça pique. Parce que en Wallon, vous voulez dans du. Des amandes. Moulu, mais grossièrement. On avait mis quand même plus de 10 ans en guerre, presque en guerre. Donc ça y est, on a compris nos douleurs. On ne peut pas faire marche arrière. Tout le monde a compris que c'était pas juste. T'as entendu parler oui, le mec est à Villejuif. Ouais. Hier, avant-hier. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est un Algérien. C'est un Algérien ? Oui. C'est un Algérien. L'étudiant de 24 ans. Ouais. De 24 ans. Oui, qui s'est tiré dans la jambe. Oui, c'est un Algérien. Sincèrement, j'ai pas peur. Ouais. Parce que j'ai connu pire que ça. Ouais. J'ai vu des gens mourir devant moi, j'ai vu des attentats devant moi. Donc, ouais. J'ai vu des bombes, j'ai vu. Tout ça me fait pas peur. Je suis passée par là. Ça, tu peux le faire avec ou des écorces d'orange ou des écorces de citron. Oui, oui, même avec une amande entière. Entière. Ah, ils sont un peu dorés. Ouais. D'accord. Ouais, c'est Non, mais c'est trop bon. C'est vrai. Ouais. Ah là là. Vas-y, Martin.